ira bilengi ra me forora teme baba ninga falene be ira bilengi ra me forora imuti mirio wi me de ira me kafera imuti fefe su de ira me kafera. Chers amis téléspectateurs de la CIR TV, bienvenue à Manège du Savoir. Une fois n'est pas coutume, nous nous trouvons dans le studio 137 pistes numériques de la CIR TV au CFPA à Ekounou. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de rencontrer une grande star du son, un arrangeur émérite, un ingénieur de son reconnu de réputation mondiale, qui nous fait l'honneur, à travers ses nombreux enseignements dans le monde entier, de séjourner ici depuis quelque temps au Centre de formation professionnelle en audiovisuel de la CIR TV à Ekounou. Monsieur Ambroise Vundi, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, vous comprenez mon émotion, elle n'est pas feinte, parce que je voudrais dire que, de mémoire de Camerounais, on n'avait pas encore rencontré un arrangeur de votre dimension, un ingénieur de son aussi réputé, parce que vous avez fait Koffi Olomide, et j'en oublie certainement, on va aller un peu citer les gens que vous avez... Il y en a plusieurs, ouais. il y a Manu Dibango déjà. Manu Dibango, il y a plein de Congolais. Plein de Fali Poupa, ouais. Ferré... Ouais. Ferré Gola, vous avez travaillé avec Ferré Gola, oui. Ce sont tous mes enfants. Ouais, ce sont... Oui. Ah ouais, Ferré, Betty Miasekini, ouais, qui était morte, ouais, et plusieurs. Dites-moi, on va raconter un peu votre histoire aux jeunes Camerounais. Comment est-ce qu'on arrive à cette maîtrise? On va parler de l'ingénieur de son, de l'arrangeur. Comment est-ce que vous arrivez à cette aventure? Et qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers tout ce que vous avez réalisé, qu'on va certainement découvrir à travers cette émission Manège du Savoir? Au fait, je suis musicien déjà. Mm-hmm. J'ai joué au Black and White à Yaoundé, aux combattants, aux philanthropes. J'ai joué presque tous les instruments à l'époque. Mm-hmm. Bon, nous avions un problème où on enregistrait toujours la radio avec M. Samba, je crois. Mm-hmm. Donc, qui était l'ingénieur du son, ouais, à l'époque. Ouais, et je suis parti en France pour être pilote de ligne. Mm-hmm. Où j'ai commencé à piloter ici avec Ekounou. Ah oui, j'ai piloté aussi avec Nguanji qui est commandant de bord aujourd'hui, ouais, avec plein d'autres amis qui sont dans, mm-hmm, l'aéronautique. Mm-hmm. Bon, arrivant en France, bon, le goût de la musique a surmonté. J'ai fait l'école de pilotage, hein, ouais, ouais. Mais j'ai laissé tomber, ouais, parce que j'étais plus capté par la musique. Ouais. Donc, arrivé là-bas, j'ai fait une école de musique, j'ai fait, mm-hmm, l'ESRA, j'ai fait l'UNACOM. Mm-hmm. Et puis, de là, c'est parti, faire des studios. Et il faut nous expliquer un peu, parce qu'ici, tout le monde est ingénieur de son, tout le monde est arrangeur. Quelle est la différence qu'il y a entre un arrangeur, nous sommes dans un studio, et un ingénieur de son? Quelles sont les caractéristiques qu'il y a qui nous permettent de distinguer l'un de l'autre, ou les deux vont ensemble? Les deux peuvent aller ensemble, oui, mais c'est bien séparé. Oui. Un arrangeur, c'est celui qui est l'architecte, mm-hmm, de la musique. Mm-hmm. Et un ingénieur, c'est le décorateur. Mm-hmm. C'est le décorateur qui va donner la touche finale, mm-hmm, à la beauté de la chose, déjà. Mm-hmm. C'est une peinture, c'est une peinture, mm-hmm, musicale. Et voilà la différence. Et vous faites quoi précisément? Ah ben, je fais un peu les deux. Oui. Ouais, je fais les deux. Bon, étant donné que je suis musicien, donc j'apporte ma part de musicien à l'arrangement des artistes, des morceaux des artistes. Mmh. Et au fait, à la fin, je prends la décision de donner une orientation, une orientation à la sonorité d'un album de la musique. Quoi. Ouais. Ouais. Comme nous sommes ici avec nous et moi je prêche pour ma chapelle, est-ce que vous pouvez, en tant que spécialiste et expert de ce domaine, nous donner les avantages d'un studio comme celui-ci, les caractéristiques de notre studio ici au CFPA à Ekounou? Vous qui êtes un féru de ces choses-là, moi je regarde ça naïvement, en nous retournant un peu à gauche et à droite, je vois Galin qui est devant un écran, je vois une console, les caractéristiques de notre studio ici, est-ce que notre studio, vous qui parcourez le monde entier, a l'expertise nécessaire, a la technologie qu'il faut pour qu'on puisse en sortir et qu'on puisse revendiquer quelque chose sur la place internationale? De loin. Oui. Ben, je pense que j'en ai déjà enregistré ici, mixé les choses ici
qui sont valables, qui n'ont pas la honte à écouter à l'extérieur de notre pays. Ouais. Et on est équipé, mais je pense qu'on peut faire mieux, ouais. comme toujours, ouais. parce que ça va très vite maintenant avec la technologie dont tous les 6 mois, il y a quelque chose qui sort dans... Ouais. Le studio... Quel est l'avantage d'une console comme celle-ci, les tableaux là, si vous pouvez vous retourner de temps en temps? L'avantage des consoles analogiques comme celle-ci, c'est mixer des trucs et donner une couleur plus analogique, plus terre-à-terre quelque part, qui émet, que nous on appelle le son roots. Oui. Alors que quand vous travaillez par exemple sur le Pro Tools, où tout est numérique, c'est difficile de faire revenir le son qu'on avait sur les consoles. Donc c'est ça qui est actuellement difficile pour les ingénieurs qui n'ont pas fait l'analogie avant. Et ils sont perdus, quoi. Ils sont perdus à ce niveau-là. Au moment où le Cameroun va basculer, la CRTV va passer de l'analogie au numérique, quels sont les adjuvants qu'il faudrait apporter à ce studio pour qu'on soit up-to-date? Non, mais il faudrait vraiment que le studio soit équipé en numérique. Notamment, par exemple, des consoles numériques qui vont permettre à mieux maîtriser les mixages avec le Pro Tools, parce qu'il y a des consoles adaptées au Pro Tools qui réagissent, parce que pour l'instant, on travaille avec la souris, ce qui est assez compliqué. Alors que s'il y avait une console, ça aurait été plus facile, plus maîtrisable à travailler, quoi. Avoir une maîtrise vraiment de ce qu'on fait, quoi. Oui, monsieur Ambroise, vous me dites, vous avez enregistré ici à Mapiro et certainement vous avez reçu le feedback et les sentiments de l'artiste et des mélomanes. Vous-même, à votre niveau, comment vous avez ressenti le feedback du produit que vous avez réalisé ici dans ce studio? Je pense que les retours sont très bons. Et puis, ça a pris de l'envergure, parce que ça a remis à un certain niveau à Mapiro. Et puis, c'est bien de mixer d'autres artistes. Par exemple, j'ai mixé d'autres artistes. Il n'y a pas que la Mapiro. Il y a eu Tony Washington. Il y a... Comment il s'appelle encore, Gavin? Notre américaine. On a fait plusieurs. Il y a Ndo Daniel. Daniel Ndo, également. Donc, ils sont satisfaits. Nous-mêmes, en tant que techniciens du studio, nous sommes satisfaits. On va donc donner la possibilité aux téléspectateurs qui nous suivent d'écouter ce travail qui a été fait dans ce studio grâce à votre maestria. Et pour donner la possibilité également à ceux des artistes qui veulent solliciter les services de la CRTV, votre expertise notamment, de savoir ce qu'on est capable de faire ici. Donc, je vous propose le vidéogramme d'Amapiero, musique qui a été arrangée, mixée ici même au studio du CFE. Je vous en prie. Avec plaisir. Je suis fini musicalement. A ma baigne, mes cobaigna, a mi-sengue, yama ya pono dinga, yama peu. Jean-Paul Bocois le mango, ça m'a ouvre. A bime toi, a me tama oumana, ma bonne kanga. On m'appelle en poule prié. Ma épaule est si on s'abagatile.
on remarque dans votre répertoire que vous êtes beaucoup plus tenté par la rumba congolaise, parce que dans votre pressbook, j'ai vu, vous êtes pratiquement l'alpha et l'oméga de tous les arrangements des musiques congolaises qui marchent, au point où certains voulaient même s'approprier votre nationalité. Vous me rassurez, vous êtes Camerounais, M. Ambroise. 100%. Ouais, vous savez que je suis souvent un peu. On me le réchauffe quelquefois. Nous tous. Oui. Non, mais il s'avère que, bon, on a écouté. Pour les jeunes, il y avait la voix du Zaïre à l'époque. Ouais. Ils avaient une très grande radio à Brazzaville, où on vivait avec la musique congolaise. Mmh. Donc, quelque part, étant musicien, j'ai maîtrisé cette musique-là. Ce qui fait que même à Paris, ils n'en trouveront pas. Oui. Je suis en train de former des jeunes là-bas pour essayer de me remplacer. Bon, ceci dit, je ne fais pas que la musique congolaise. Je travaille avec Alpha Blondy, je travaille avec Jimmy Cliff, je travaille avec... Ah, you're working with Jimmy Cliff. Jimmy Cliff. Donc, bon, je ne parle pas des Kassav, de toute la musique antillaise, que je maîtrise aussi parfaitement. Parce que je vous ai vu en backstage avec les Kassav. Effectivement. Donc, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec eux. C'est l'expertise camerounaise qui se confirme à l'international, M. Ambroise. Effectivement. Sans compter les... être fier, non ? Ben, alors, je porte haut et fort notre drapeau. Oui. Même la musique haïtienne, tous les Taxi Combo, beaucoup de groupes haïtiens. Quoi. Monsieur Ambroise Bundi, vous pensez que avec la percée de la musique camerounaise, sur le plan international, il peut avoir véritablement une embellie de la consommation de la musique africaine et plus particulièrement la musique camerounaise sur la place internationale. C'est possible, je pense. Parce qu'on voit un peu, on a espèce d'avancée fulgurante de musique nigériane. On voit également du côté d'Afrique de l'Ouest avec le Mbalax et tout ça. On voit également, on sait que le coupé décalé s'essouffle un peu. Vous allez me dire, c'est vous l'espère. Mais vous avez le sentiment que nous, on peut s'imposer un peu avec notre Makossa, le Bukusi. Qu'est-ce que vous sentez, vous, en tant que spécialiste des sonorités africaines, qui peut s'imposer dans un milieu comme le milieu européen? Ben, je pense qu'il faut déjà les bons promoteurs, puis donner les moyens. Mm-hmm. Parce que faire un disque dans sa chambre et dire que ça sonne, c'est facile. Mm-hmm. Mais à partir du moment où ça arrive à l'extérieur, il y a un format, il y a une qualité sonore que les gens sont déjà habitués. Mm-hmm. Tout ça fait des critères pour que quelque chose marche dans la musique. Donc il faut des promoteurs et du sérieux. Mm-hmm. Parce qu'au Cameroun, j'ai l'impression qu'on ne prend pas la musique comme une industrie qui apporte des devises. Mm-hmm. Moi, je vis en Martinique. Je peux vous dire que la musique, c'est la première devise en dehors de la banane et du rhum. Oui, c'est la première devise aux Antilles. Mm-hmm. Ce qui fait que les gens vivent de leur musique. Oui, on vit de la musique correctement, sans problème. Je pense que s'il y a des bons promoteurs et du sérieux dans notre travail, ça peut avoir en bois, je vous dis, comme ingénieur de son arrangeur pour un artiste camerounais qui n'a pas beaucoup de moyens, ça coûte combien? Il y a une valeur... Je ne fais que ça, pour le Cameroun. Je suis camerounais, donc je donne ma part. Des fois, je paye mon billet d'avion pour venir travailler ici. Rien que parce que quand je suis ici, je rencontre mes parents, ça me fait des vacances en même temps, donc ça ne coûte pas grand-chose. Hein. Ça coûte pas du tout. Pour qu'on ait une idée exacte un peu, bon, je vais prendre un artiste international, parce que j'adore les biscuits, les petits scoops comme ça. Quand vous faites Kofi Olomide, par exemple, l'arrangement et tout ça de Kofi Olomide... Ça va chercher vers les 500, à partir de 500 euros la journée. 500 euros la journée. Moi, c'est-à-dire, on ne compte pas le studio, parce que le studio, c'est 800 euros, donc ça fait 1000... Donc, on vous paye environ 400 000 francs la journée. Oui. La journée. Oui. Et pour faire un disque comme celui de Kofi Olomide, ça vous prend combien de temps? Ça peut prendre un mois. Hein. Un mois. Ouais. On calcule, je ne suis pas très fort en mathématiques. Non, ça peut prendre un mois. Bon, disons que... Enfin, réellement, on ne compte pas la journée, mais c'est des forfaits qu'on peut faire à un artiste... Bon, si c'est des grosses majeures, il n'y a pas de... On frappe, hein. Quoi? On frappe. Donc,
Vous qui êtes un formateur, un enseignant, et on profite de vous, vous venez en renforcement de capacité au CFPA. Est-ce que c'est une bonne aventure pour nos apprenants de maîtriser cette expertise, ce domaine où vous êtes véritablement une valeur de réputation mondiale? Oui, je pense que c'est très intéressant parce que la musique est en train de prendre un essor mondial maintenant. Mm-hmm. Ce qui fait qu'on a besoin des techniciens. C'est comme à la télévision parce que, c'est que par exemple, je prends la CRTV. Il faudrait que la CRTV fasse des émissions en live direct. Des grosses émissions. C'est ça qui... Parce que le public a besoin de nouveautés à chaque fois, donc il faudrait que nos télévisions se mettent au niveau des autres, des Européens. Oui, parce que quand ils font des trucs, c'est des émissions en live, c'est beau quand on voit ça. Ce qui est dommage aussi, c'est du playback, c'est des trucs... qui ne valent même pas la peine de regarder. Quoi. Ambroise Vundi, je sais que vous allez prendre votre avion ce soir, pratiquement à minuit. Et je voulais déjà d'entrée de jeu vous dire merci pour votre disponibilité au nom de l'équipe de production. Mais vous êtes en train de partir et le sentiment que vous nous laissez, c'est que vous n'avez pas encore suffisamment donné, vous allez revenir le plus rapidement possible, sinon quand? Entre juillet et vers le mois de juillet. Oui, ça sera toujours pour un projet ou bien pour les vacances en famille? Non, je viens toujours pour les vacances en famille, mais chaque fois que je suis ici, je travaille. Parce que, en fait, je ne prends jamais de vacances. Mm-hmm. Partout où je me trouve, c'est toujours... Vous avez des amis particuliers ici à qui vous voulez... qui vous ont pas vu depuis, à qui vous voulez adresser un message de la famille, parce que c'est toujours une plateforme où on se retrouve. J'en perds des noms, donc je pense que je salue déjà tous les Camerounais, puis qu'on soit fiers de notre pays, et puis je pense qu'on a des valeurs. Oui. Parlant de notre pays, vous qui vivez à l'extérieur, quand vous arrivez ici, vous êtes parti d'ici il y a combien de temps? 76. Vous êtes parti en 1976. Ouais. Ça va me faire encore des problèmes de calcul. Mais je ne voulais pas. Plus de 30 ans. Ouais. Vous êtes parti depuis les 30 ans. Le regard que vous avez, de manière générale, de manière synoptique, sur l'évolution du Cameroun, vous avez le sentiment, sincèrement, que quelque chose bouge quand vous venez de l'extérieur, vous faites des va-et-vient et tout ça là. Parce que quelquefois, certains Camerounais pratiquent un camerouno-pessimisme à rebours. Et on a le sentiment que les choses ne bougent pas parce que ceux qui s'expriment quelquefois à notre place ne voient pas les mêmes choses que nous. Mais vous qui avez le regard neutre, vous avez le sentiment que quelque chose change au Cameroun? Non, il faut déjà dire que notre Cameroun, c'est un multi-ethnique. Mm-hmm. Donc, quelque part, c'est difficile dans un pays où on parle plusieurs langues. Mm-hmm. Plusieurs dons, chacun sa coutume, sa manière de manger, sa manière. Mais ceci, là où le Cameroun est fort, c'est que ça bouge. Mm-hmm. Et dans la bonne direction. Mm-hmm. Ouais, parce que ça évolue vite, quoi, quelque mm-hmm. part. Ça évolue. Parce que nous ne sommes pas des pays où il y a deux capitales, non. Mm-hmm. Nous sommes. Le Cameroun a plusieurs capitales. Mm-hmm. Et toutes les capitales se valent, quelque part. Ouais. Ça se valent. Donc, je peux dire qu'il y a plus de travail au Cameroun, mm-hmm. mais moins visible, mais. Nous qui venons, chaque fois que je vais, je trouve quelque chose d'étendu, de nouveau. Quoi. Mmh. C'était encouragé. Ah oui, effectivement. Oui. Oui. Maintenant, dans votre domaine, vous avez certainement des nouvelles de votre milieu, parce que vous-même, en tant qu'auteur, compositeur, artiste, arrangeur, vous savez que le droit d'auteur, ça ne va pas très bien ici, qu'il y a quelques difficultés. Et que les artistes n'arrivent pas à s'entendre. Vous, en tant que doyen, vous qui travaillez avec eux tout le temps, est-ce que vous avez un message spécifiquement adressé à la communauté artistique camerounaise? Oui, je pense qu'il faut qu'on devienne sérieux. Mm-hmm. Il ne faut pas que certains viennent là pour engranger des sous. Mm-hmm. Les dirigeants de ces, je ne sais même pas quel organisme, mais de ces organismes-là, il faut qu'ils prennent des exemples comme la SACEM à Paris, mm-hmm. en France déjà, mm-hmm. et puis qu'on prenne des gens sérieux, quoi, mm-hmm. qu'il y ait des avocats, de la justice hein, mm-hmm. dans cette histoire-là. Mm-hmm. Ouais, parce que là, chaque mois, on change de direction, ça ne tient pas debout. Mm-hmm. Ça ne tient pas debout. Mm-hmm. Donc je pense qu'il faut du sérieux dans leur histoire. Quoi. Mm-hmm.
Vous pilotez la musique africaine aujourd'hui et même la musique européenne. Vous serez encore capable de piloter un avion si on avait à vous appeler dans notre compagnie nationale? Puisque vous êtes pilote à la base. J'ai carrément laissé cette histoire là. On ne sait jamais. Hein. Est-ce qu'il vous reste quand même quelques souvenirs? Quand on a été pilote à ces niveaux. C'est comme la voiture, hein. C'est pareil. On le dit avec une certaine nostalgie parce que pilote pour nous qui ne prenons pas la musique au sérieux dans notre environnement, on pense que pilote c'est beaucoup plus important qu'être un ingénieur de son, qu'être un artiste. Mais pour vous qui avez fait l'expérience des deux, artiste c'est très important. Ben oui. Un pays ne peut pas vivre sans artiste. Hein. Oui. Alors, je peux vous dire que le sérieux dans la musique gagnerait plus qu'un pilote. Hein. Ouais, j'ai même pas de remords. Oui. Je n'ai pas de remords. Bon, vous conseilleriez donc à un de vos enfants de se lancer. Ah oui, complètement. Dans cette à partir du moment où il pense au sérieux, il a discipline. Ouais. Donc, quand vous vivez en Martinique, c'est une Antillaise ou une Martiniquaise, une Guadeloupéenne? Non, c'est une Martinique. Elle a déjà vécu ici. Hein, elle a déjà vécu ici. Ouais. Elle va bien. Très bien. Elle parle Ondo. Petit à petit. Monsieur Amboise Vundi, on est dans notre studio. On est à Ekounou, on est en famille. Je vois vos étudiants sont à l'œuvre. J'en ai amené également de l'unité journalisme et animation qui sont là derrière moi et qui prennent des notes. Parce que je voudrais également dire que Manège du Savoir, c'est un cadre didactique et c'est pour ça que nous acceptons de travailler dans ces conditions. Nous voulons, avec votre permission, dire merci à M. Mbalambala Dieudonné, qui est le chef de l'unité prise de vue et son, qui nous a prêté son cadre. Je voudrais également dire merci au nom de notre chef d'unité réalisation, qui est le réalisateur concepteur de ce programme Manège du Savoir, de nous avoir donné l'opportunité de vous rencontrer. Et à vous-même, merci au nom de tous les Camerounais qui adorent la musique. Ok, merci. Et bon courage encore pour les perspectives du centre. Merci beaucoup, M. Ampasso. Okay. Et bon voyage. Merci.